messieurs, dames, bonsoir. Donc on va commencer. Les retardataires vont s'inscrire avec dans le temps. Je me présente, monsieur Jobert Wilfry, directeur du CAUE VAR. Donc on est ravis de vous recevoir avec l'ensemble de l'équipe, mais au fur et à mesure de la soirée, chacun prendra la parole et se présentera. On ne va pas faire une présentation officielle de tout le monde. Vous dire que c'est la première conférence qui inaugure le cycle autour de la pierre. On a fait une conférence la semaine dernière, mais c'était plutôt sur les cours jardins, une thématique sur la végétalisation des cours d'école, mais qui était en dehors de notre cycle, de notre exposition annuelle. Donc chaque année, on crée une exposition avec un photographe et des commissaires d'expo qui peuvent être architectes, paysagistes, urbaniste. Sur cette exposition-là, c'est Véronique Ours et Fabien Mauduit qui sont architectes du collectif Apart, qui est un collectif qui travaille autour de l'architecture, du paysage et de l'art. Donc ils nous ont accompagnés pour créer cette exposition sur la thématique de la pierre et qui ont souhaité, on va dire, mettre en dialogue le texte de Fernand Pouillon, Les pierres sauvages, qui est un texte qui est une histoire de la construction de l'abbaye du Thoronnais, fictive, donc au XIIe siècle, qui raconte l'histoire de cette abbaye. Et on a fait le choix de prendre des extraits de textes qui, pour nous, venaient dialoguer avec les photos qui ont été faites par Aldo Amoretti, qui est un architecte photographe italien, qui a souhaité répondre à notre appel d'offres. Et nous, on a été ravis de cette rencontre, puisque les photos que vous pouvez découvrir au CAUE et dans la rue des Arts ont pour nous un caractère, on va dire, esthétique, un regard particulier. Et on a été ravis de ce partenariat-là. Le temps de l'exposition, c'est aussi une saison qui se déroule sur 4 mois avec des ateliers écriture, des ateliers voix, des promenades un peu partout sur le département pour créer une relation, on va dire, plus sensible à l'architecture et au paysage. Cela l'est de façon naturelle, cette dimension sensible est là. Mais c'était une façon aussi pour nous d'appuyer sur cet aspect sensible de notre relation au paysage et à l'architecture. Donc vous avez un programme des 4 mois de la saison avec différents rendez-vous. Donc les jeudis soirs, une fois par mois, il y a une conférence autour de la thématique de la pierre. Donc ce soir, c'est la pierre et le paysage. Je laisserai Pierre David, paysagiste du CAUE, mais aussi président de la Fédération française du paysage PACA Corse. Et Vincent Prévost, qui est paysagiste et qui travaille également avec la pierre. Donc on vous fera la présentation de suite après. Vous dire que l'ensemble des rendez-vous sont sur inscription, donc on vous invite à vous inscrire à nos rendez-vous. Le choix de cette exposition sur la pierre, c'était pour nous un moyen de questionner la matérialité, le matériau. Aujourd'hui, face aux enjeux écologiques et énergétiques, il y a une vraie question qui se pose par rapport à la ressource. Et du coup, c'est aussi comment, avec cette ressource, on fait de l'architecture et du paysage aujourd'hui. Donc, c'est mettre en débat, en discussion. On n'est pas là pour dire comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le rôle du CAUE. Notre rôle à nous, c'est d'apporter du dialogue, de l'échange, de l'expertise et de favoriser cette connaissance, cette culture par rapport à la fabrique de notre territoire. Et inviter chacun à se questionner, à participer à ces échanges pour construire ensemble le paysage dès aujourd'hui. Pour demain, on dira, mais aujourd'hui, c'est le paysage maintenant qu'il faut véritablement agir
pour avoir une construction vertueuse de nos territoires. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Nous, on est ravis de votre présence. Ça nous fait plaisir de voir qu'un jeudi soir, ben voilà, vous êtes présents pour venir échanger. Et puis, je vais laisser la parole à Pierre pour la suite. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Merci. Moi, je suis Pierre, comme l'a dit Wilfried, je suis Pierre David, paysagiste concepteur chargé de mission paysage au sein du CAE Var. Donc, sur les missions de conseil, de sensibilisation que mène le CAE au quotidien. Cette exposition donc, qui va s'étendre jusqu'en février, c'était important pour nous de à la fois montrer la pierre dans sa matérialité architecturale, donc la pierre dressée en fait, contre la pesanteur, et aussi de montrer le côté vraiment plat, lourd, le revêtement. La pierre, c'est aussi celle sur laquelle on marche au quotidien, qu'on soit dans la ville ou dans notre paysage méditerranéen. Et donc, ça nous tenait à cœur d'inviter Vincent Prévost, qui est paysagiste concepteur. Je suis aussi là, comme l'a dit Wilfried, en tant que membre de la Fédération française du paysage, qui est l'association qui représente en fait le métier de paysagiste concepteur, architecte paysagiste. Donc en fait, moi je suis président PACA Corse et Vincent est président Languedoc-Roussillon, donc vous êtes très bien entouré, peut-être un peu saturé, mais bon, là ça va. Donc on anime le réseau des professionnels, on représente en fait ce métier-là, et depuis 10 ans, sur une idée de Michel Pena, qui est un paysagiste français, qui a été témoin d'une exposition CAE Var, pour ceux qui s'en rappellent, l'exposition Percevoir en 2020. Il était témoin de cette exposition-là. Et donc, au moment où il était président de la Fédération française du paysage national, il y a 15-20 ans, il a eu l'idée de ce cycle expérience de paysage. Et donc, depuis 10 ans, au pavillon de l'Arsenal à Paris, à Marseille, à la Maison d'architecture et de la ville PACA, et maintenant ici au CAE Var, il y a des conférences, des cartes blanches qui sont données à des paysagistes concepteurs, conceptrices, mais aussi des personnalités, des penseurs, des écrivains, des géographes, liés à cette représentation, projection du paysage. Donc c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir aujourd'hui l'équipe de mise en bois de production qui vient capter ce qui va être dit. L'objectif d'expérience de paysage, le projet, quoi, l'objet de conférence, c'est d'accumuler, de sédimenter, pour rester un peu dans un vocabulaire de Pierre, toutes ces expériences de paysagistes, de projets de paysage, de voyage, pour elles sont toutes consultables. Évidemment, celle-ci sera disponible sur le site internet du CAE Var très prochainement. Et toutes les expériences de paysage, des dizaines de conférences, débats, sont disponibles sur le site de la Fédération française du paysage. Donc voilà, donc on est ravis d'avoir groupé en fait ces deux idées-là et de donner cette tonalité, de lancer cette tonalité-là de la pierre. Je te présente pas, tu vas te présenter. Je suis ravi qu'on accueille Vincent aujourd'hui et je te laisse la parole. Merci encore d'être là. Merci Pierre, merci le CAUE du Var et puis merci la FFP aussi de cette invitation. Je me présente Vincent Prévost, qui était tailleur de pierre avant d'être paysagiste. Donc ce que je vais vous présenter là, au risque de décevoir Pierre, mais je profite qu'il soit parti, c'est pas forcément la pierre horizontale qu'on utilise dans les revêtements et les calepinages, un sujet qui est tout aussi passionnant, mais je l'aborderai, et en ce sens-là, je me place plus du côté de la thématique ressources, la pierre dans son aspect de ressources. Alors je vais essayer de la... Voilà, ça marche bien. Et donc ce parcours, je vais vous le présenter de manière chronologique. Je vais essayer de tenir un format assez court. Et j'ai sélectionné quelques projets que j'ai pu faire qui forcément, du fait de mon affinité avec ce matériau et de mon entrée dans le paysage avec ce goût particulier pour la pierre, m'a porté. J'ai pas eu trop de difficultés à trouver quelques projets qui me semblaient être adaptés à cette thématique. Donc au tout départ de ma réflexion, là, il s'agissait de,
je vais faire cette introduction sur mon sujet de fin d'année, de fin d'études, pardon, de l'école, il y a à peu près 8 ans. Où ce qui m'intéressait en partie, c'était de mettre en relation, par exemple, les espaces urbains, justement, où on voit les quais du Rhône à Lyon, qui sont, comme beaucoup de quais de grandes villes métropolitaines, qui ont été réaménagés avec de la pierre, très souvent, et de mettre en relation les autres paysages qui sont générés, les espaces de production, comme on le sait, par la relégation des activités industrielles, le grossissement des métropoles urbaines et aussi des modes industriels, on se retrouve avec des espaces très contrastés et qui nous parlent de cadres de vie très différents. Et je trouvais qu'en s'intéressant au paysage, s'intéresser au fait que le cadre de vie dont on n'a jamais autant parlé, hein, c'est la petite illustration que vous voyez là sur la droite, que j'avais fait en m'amusant, en disant que le cadre de vie n'était pas qu'un cadre de vue et que toutes ces fonctions industrielles, en grande partie aujourd'hui, hein, même si heureusement il y a des alternatives possibles, on les reléguait au plus loin. Et là, c'est ce que le fleuve me permettait de faire, et donc c'est sur cette commune de Cruas, qui a une centrale nucléaire, entre autres, et une gigantesque carrière pour la production du ciment blanc, que j'avais mené mon diplôme. Je trouvais que c'était cette dimension de chantier qui était importante à le mouvement en fait, de transformation de la matière. Là, quand on voit un chantier de construction, là, c'est d'un barrage hydroélectrique de Donzère-Mont-Dragon, sur le Rhône aussi. Cette image me parlait beaucoup, l'image des grands chantiers et le fait que le paysage est aussi, non pas une image figée dans le marbre, hein, pour rester dans la thématique, mais en fait, toujours en devenir. Comme un chantier plus ou moins bien entretenu, on a tous vu des chantiers plus ou moins bien entretenus, et c'est toujours fascinant de voir ces images, ce moment de où la construction et la ruine sont dans cette ambiguïté présente. Pour moi, là, on a un paysage. Et donc, dans les carrières aussi, on a des modes de production qui sont... des modes d'exploitation en fait qui ont été, par exemple, on a les Baux de Provence en haut, la carrière de Verspont-du-Gard en bas. Donc je regardais la correspondance qu'il y a entre l'édifice érigé et le paysage, puisque c'en est un aussi, espace de production, qui est généré par cette édification, donc la saillie, le creux. Sachant que c'est toujours une question, on est dans une question architecturale, mais de contraintes d'exploitation, hein, par exemple sur les Baux de Provence, avec les intervalles réguliers des piliers qui sont conservés pour tenir la voûte pendant l'extraction souterraine de ce calcaire. Et donc voilà le site sur lequel moi je me rendais, dont on ne perçoit pas forcément l'échelle, si ce n'est par la foreuse, hein, qui est ici en train de préparer... de préparer son trou de forage pour dynamiter à la poudre noire le front. C'est des fronts de taille de 30 mètres de haut par 30, et des banquettes, donc les replats horizontaux pardon, de 30 mètres de large aussi. Donc ça, c'était ce sujet-là, une montagne, en fait, qui est en train d'être taillée, dont je regardais l'extraction au fur et à mesure de 1932 à 2047, quelle était la tâche en fait correspondant à l'extraction, hein, donc le noir là c'est le blanc du ciment blanc de la pierre blanche qui est révélée au grand jour, et donc on avait cette évolution là qui montre le projet des industriels en place pour aller vers un objectif qui est finalement défini par des contraintes de rentabilité du gisement. Et donc là, c'était une maquette d'étude sur laquelle mon projet globalement était de dire que ces éléments ne devaient pas être disjoints, donc c'est-à-dire la,
la plaine avec la centrale nucléaire, la carrière, l'espace agricole à côté de la carrière. Et que à partir du moment où on a 120 ans d'exploitation, puisqu'il faut savoir que les arrêtés d'exploitation sur les carrières de roches massives sont de 30 ans, donc arrêtés préfectoraux. Et donc ici, ils savent qu'ils ont un gisement pour au moins 120 ans. Donc moi, je me disais, bon, ben, on a une belle marge, une belle latitude de création de projets, si on ne regarde pas chacun dans son assiette, mais si on met en réseau les différents projets. Les projets de réaménagement, là, je vous montre une coupe de la coupe de réaménagement de ce site-là qui était prévu. Bon, voilà, vous voyez les banquettes et les fronts de 30 mètres par 30 mètres. Ici, vous imaginez, tout ça, ce sont des remblais donc qui nécessitent une autre carrière de terre végétale qui va venir transporter des matériaux pour respecter la réglementation qui donne l'obligation aux industriels de remettre en état les sites. C'est la remise en état. Vous imaginez, remettre en état des sites pareils, c'est quand même compliqué. Ça tombe bien puisque les arrêtés d'autorisation sont prolongés, mais sur projet d'un paysagiste quand même. Et donc c'était un sujet qui m'intéressait, c'est quelle marge on peut avoir pour ne pas créer des carrières supplémentaires pour venir combler les carrières qu'on a exploitées. D'autant plus qu'il y a de la terre végétale, je le disais, mais il y a une problématique des terres, des déchets inertes aussi, donc issus de la construction, du BTP, qui sont parfois même plus rentables aujourd'hui puisqu'on manque d'espace pour stocker les déchets issus du bâtiment. Donc les carrières sont des lieux privilégiés pour accueillir ces stocks de matériaux dont on ne sait que faire. Mais c'est aussi une possibilité de remodeler les sites. Ce sont pas des matériaux extrêmement polluants. Et pour conclure sur cette introduction, puisqu'il va falloir avancer, juste dans le principe de projet, ce que moi j'imaginais, c'était de se dire, mais assumons le monument minéral qui a été créé ici, qui est en plus une ouverture dans un massif très boisé. Assumons cette forme minérale, on ne peut pas la cacher, mais amenons-la sur les 60, 90, 120 ans qu'on a, à devenir un édifice construit dans lequel une retenue collinaire serait créée au sommet, ce qui était viable, puisque j'ai rencontré la carrière, forcément, ça paraissait viable, même si il y a un aspect quand même de science-fiction à ce projet-là, puisqu'il y avait aussi l'idée que cette retenue collinaire amenait ensuite de la carrière jusqu'aux tours qui étaient à distance raisonnable, les tours de la centrale, les tours de refroidissement étant conservées en béton, devenaient une station hydroélectrique verticale. Et donc cet ensemble était à la fois praticable par les personnes qui sont là et un espace de production. Donc on restait dans un vocabulaire quand même très industriel. Mais pour l'instant, c'était la seule marche que je voyais. Je vais balayer rapidement quelques exemples de carrières sur lesquelles j'ai pu travailler par la suite, puisque après, ce sujet a continué à m'intéresser. Et donc, j'ai continué à travailler sur un certain nombre de carrières. C'est pour montrer à quel point c'est pas toujours quand même gracieux. On voit tous des carrières dans le paysage. Je ne vais pas défendre ça. Par contre, il y a toute une analyse qu'on peut mener sur les lignes de force et le fait que la demande à chaque fois, elle est s'intégrer. Elle est ne pas être vue. Et donc, un peu comme un enfant qui... Il y a un geste puéril auquel les industriels se plient, c'est de dire « vous ne me voyez pas ». Mais bon, là c'est moins mignon qu'un enfant, c'est-à-dire qu'on le voit, on le verra toujours. Et qu'est-ce qu'on fait de ça à partir du moment où on le justifie par le fait qu'on en a besoin pour la construction ? Alors, ici, si on se rapproche du site, si on n'est plus simplement éloigné en se disant « tiens, je vois d'ici, de là », mais qu'on regarde les événements rocheux dans cette carrière-là, qui était quand même relativement affreuse, on l'a vu avant,
ces événements, ils sont, c'est une sculpture sur une paroi entière avec des accidents différents, des glissoires, des glacis, des parties qui se sont, qui ont été travaillées différemment en fonction des possibilités de l'exploitant. On a établi une typologie d'actions qui pouvaient être menées par les exploitants, donc à ce moment-là, et qu'on a pu reconduire sur d'autres carrières, qui étaient comment on recrée des accidents rocheux qui correspondent à ce qu'on voit alentour aussi. Donc voilà, vous envoyez certains exemples sur des principes de fissuration, d'éboulis, qu'on va retrouver sur d'autres sites. Là, par exemple, on voit, on est dans les Alpes, en rive gauche de la Durance. C'est quasiment une photo qui est un peu retravaillée pour éclaircir les lignes et lire le paysage à cet endroit-là, donc avec les haies dans la plaine et le massif rocheux et la carrière ici. Parfois la carrière contredit clairement, surtout par son horizontalité, les lignes de force du relief que suit la végétation à travers les petites alvègues, même les micro-reliefs qui permettent à la végétation de s'installer. Dans ce cadre-là, on peut s'inspirer soit des techniques de restauration forestière en montagne, dans les Alpes, par exemple ici, ou tout simplement en observant les reliefs alentours. Là, la montagne de Céuse ou le rocher de Mont-Dauphin qui est en co-visibilité, comme on dit dans le milieu, avec la carrière. On voit toujours cet éperon rocheux qui sort d'un massif boisé, très souvent. Il y a là, c'est un synclinal, ici, la montagne de Céuse. Donc, on a cette forme très caractéristique. Dans la carrière elle-même, on peut essayer de reproduire des moyens qui permettraient, donc par rapport à ce que je disais au départ, de ne pas apporter des quantités de matériaux colossales ici, mais chercher à imiter la nature, les événements naturels qui permettront, par les chemins d'eau de ruissellement à la végétation, de venir s'installer d'elle-même. Donc avec une légère préparation à la fin d'exploitation. Voilà quelques illustrations sur lesquelles je passe rapidement. Je voulais montrer aussi un exemple de carrière, puisqu'on parle de carrière en roche massive, quand on est globalement en montagne, et de carrière alluvionnaire quand on est dans le plat, la plaine. Donc là, ici, dans le même secteur que la carrière précédente, on voit des hypothèses qu'on formule, donc ça c'est aussi le travail que va mener le paysagiste, de se dire la grande problématique de ces carrières alluvionnaires, c'est des stocks qui s'amoncellent ici en bord de route et qui sont désordonnés. Donc ici c'est de voir est-ce qu'on va prolonger le réseau de haies de la plaine ou est-ce qu'on va prolonger le cône torrentiel qui arrive en amont du site. Et qu'est-ce qu'on veut privilégier comme formes qui seront visibles d'une large partie du territoire. Et alors là, je vous parlais de carrières qui sont c'est sur des projets de réaménagement. Donc ça veut dire que c'est des carrières qui sont en cours d'exploitation, mais qui ont un projet de réaménagement qui a été acté, qui leur permet d'exploiter. Ici, on est sur un projet de réhabilitation, donc c'est au Liban, puisqu'on a eu l'occasion d'aller travailler sur des carrières au Liban, et des ocres. Et donc les ocres sont très friables, érosives. Et là, c'est aussi de voir comment on va permettre à l'érosion de se poursuivre et de consolider des chemins, des cheminements, des parcours dans cet espace-là. Et également la végétation, puisque ce sont des milieux semi-arides la plupart du temps, ces carrières. Et c'est de voir comment la végétalisation va pouvoir rester en place à ces endroits-là, comment on peut faire déjà un dessin, une proposition pour le devenir de ces espaces. Ici, la carrière du Capon, c'est un exemple aussi de réhabilitation où l'idée était de venir créer une grande combe, donc un peu sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir des éboulis assez importants. Ces éboulis peuvent être constitués à partir des stériles qui ont été conservés sur le site. Donc les stériles
contrairement aux fertiles d'exploitation qui sont celles qui servent à l'exploitant, qui va pouvoir qui entre dans une filière commerciale, les stériles ne lui servent vraiment pas. Et donc ça, c'est un matériau qui peut aussi utiliser sur site pour remodeler les espaces qui ont été sans avoir de transport, hein, bien sûr, qui ont été travaillés avant. Donc voilà, là, c'est le principe de venir, encore une fois, garder un couronnement rocheux au-dessus et de travailler l'espace en bas. Et enfin, pour finir ce balayage sur les carrières, je pouvais pas ne pas parler de la géologie quand même, qui, en termes de socle du paysage, c'est quand même assez important. Là, ici, c'est une carrière sur laquelle on a travaillé, de la carrière de Talc en Pyrénées ariégeoises, qui est une des plus grandes d'Europe, hein, qui est gigantesque, et qui exploite ce fin filon de talc en sommet de montagne. Donc là, vous imaginez, eux ne cherchent que le talc, qui a des propriétés très, très intéressantes au niveau de l'industrie pharmaceutique et autres. Donc il y a une valeur ajoutée très forte sur cette matière première. Donc vous voyez la carrière, le gisement de talc très blanc en contrebas. Donc on imagine les centaines de mètres qu'il va falloir creuser pour aller chercher. Donc là, on est dans un principe minier très, très fort, pour aller chercher ce fin filon de talc qui traverse la montagne. Et donc ici on a réussi à partir sur du tourisme industriel, ce qui est très rare, hein, puisque les industriels doivent rester cachés. Mais d'accueillir, puisqu'il y a un téléphérique en plus qui charrie le matériau, étant donné l'altitude. Donc c'est d'utiliser ces modes-là pour pouvoir alterner avec un mode touristique dans cet espace-là. Et donc de permettre, avec des belvédères et d'autres aménagements, de voir ces espaces et de comprendre ce qui est... Là, on ne peut pas révolutionner, c'est-à-dire que l'heure stérile... Ils les transbahutent pas, hein. Ils ont 90% de stériles, donc 90% de ce qui sort de la montagne qu'ils extraient ne leur sert pas. Donc c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que c'est des reliefs qui forment des digues continues sur des centaines de mètres de haut qu'ils emmagasinent sur place. Alors, ce serait très frustrant de rester sur ces projets de carrière. Même si, voilà, je ne veux pas donner l'impression que j'y ai trouvé moi quelque chose qui fonctionne, un monde qui tourne. C'est comme souvent une adaptation, une recherche, des intentions pour essayer de faire évoluer les choses. Et moi, j'ai constaté en tout cas, et ça fait un moment que je n'interviens plus trop dans ce registre-là, puisque la marge est très faible. Et d'ailleurs, vous avez vu aucune photo de projet réalisé, vous avez vu que des dessins. Donc voilà, c'est des dessins qui sont présentés au public. Il y a une évolution qui est prise en compte, mais voilà, c'est pas quelque chose dont on peut palper l'existence. Donc forcément, j'ai voulu revenir à la pierre, moi, de mon côté. Donc cette image un peu mystérieuse et crépusculaire, c'est un projet qui a eu lieu dans le Var, donc au Rayol Canadel, au Jardin des Méditerranées. C'était un petit projet sur lequel on avait proposé, donc c'était un concours Land Art qui se faisait à cet endroit-là. Alors quand je dis « on », je parle de mon associé, puisque je ne suis pas tout seul, mais voilà, bon, moi je suis là ce soir, Marion Soulérol, avec laquelle on avait travaillé cette idée de créer, de faire ressurgir le socle, donc sur un éperon rocheux à la pointe du figuier, dans ces jardins-là. Donc à partir de pierres qu'on est allé chercher en carrière, de les positionner et de les tailler à l'horizontale au niveau de l'horizon méditerranéen. C'était pour rentrer en dialogue, trouver un écho avec la Méditerranée, qui était ce qui reliait le climat, tous les jardins de ce climat méditerranéen qui sont illustrés dans les jardins du Rayol. C'était assez plaisant sur place, hein, vous imaginez, de pouvoir travailler là plusieurs jours et de tailler les blocs. Donc, hein, vous voyez, l'idée était de les ramener tous à un niveau qui soit parfaitement horizontal.
Donc il y avait 5 ou 6 blocs. Voilà, donc là on était dans la matière, dans cet écho du proche au lointain. Et donc suite à ce projet-là, où Gilles Clément, donc qui est un paysagiste qui a été un de nos enseignants et qui était jury de ce... qui est le créateur des Jardins du Rayol et qui était jury à ce moment-là, il nous a proposé de partir sur un projet assez fou qui était de matérialiser la ligne de partage des eaux dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Cette ligne de partage des eaux, donc c'est celle qui sépare le bassin versant qui va vers l'Atlantique, hein, donc cette ligne en bleu, ou vers la Méditerranée. Donc voilà, cette ligne-là. Donc c'est une crête, un relief qui départage ces grands bassins versants. Donc voilà sur place, hein, dans le territoire de projet. Donc je montre ce projet-là parce qu'il me semble qu'il est aussi, il montre une autre échelle d'intervention. Et il montre aussi à quel point le relief et donc la roche a une force considérable. Là, quand on voit, vous imaginez les paysages différents qu'on peut avoir côté Loire, le versant atlantique, avec un bassin versant qui démarre très très doucement, avec une érosion très faible. Et ici, le relief qui s'accentue très nerveusement avec des serres nerveuses qui sont du fait que la Méditerranée est beaucoup plus proche ici et que l'eau court beaucoup plus vite et érode le socle très fortement ici. Donc comment matérialiser cette ligne de partage des eaux sur 150 km de linéaire? L'idée au départ était de faire une intervention qui soit... Gilles Clément pensait que j'allais tailler une montagne, ça me plaisait bien, mais ça nous a paru infaisable et pas pertinent à l'échelle de cet ensemble. Alors on a parcouru la ligne, on l'a parcouru. On a fait une carte radar, on l'a appelée, avec, vous voyez, tous ces points de perception en se disant, mais d'où je la vois la ligne? Je la vois sur la carte, mais je la vois pas toujours en fait dans ce paysage boisé, avec des éoliennes, avec des lignes électriques, etc. Et donc on est passé par un subterfuge qui a été de créer un dispositif de perception, donc en jouant sur l'optique, et en se disant, mais on va relever des points de la ligne et on les donnera à voir de certains points particuliers qui donnent à voir la ligne sur un grand panorama, la ligne de partage des eaux. Donc voilà, on voit Marion là qui pointe, on est sur des sucs volcaniques en Ardèche. Donc voilà l'idée, globalement, le concept était, bon tiens, mais si on érigeait un peu comme des géomètres, des grandes mires, qui seraient, donc le projet s'est intitulé « Les mires », si on faisait des grandes mires qui permettent de viser des lignes dans le paysage. Et voilà le principe, l'esquisse qu'on avait proposée. Vous imaginez que pour l'implantation, c'était par tous les temps, on a dû faire un travail de mesure assez précis pour voir, avant de planter des mâts dans le paysage, qu'est-ce que ça allait pouvoir donner. Et les hauteurs des... Donc là, c'est des perches de châtaigniers qui ont été déboisées et qui ont été, qui ont été préparées pour le projet. Et on avait globalement 5 ou 6 sites de belvédère avec une dizaine de mires de 7 mètres de haut par site. Voilà donc à peu près les moyens de levage. Et puis après, le système d'installation. Alors, je vais un peu vite, hein, là-dessus, puisque... Là, je suis un peu hors propos, après. Voilà, on voit les installations. Et voilà, l'idée de ces mires, là, il y en avait une douzaine. Hein, donc, on n'en voit que 3, mais qui permettent de suivre une ligne. Et donc, là, quand on est à côté, c'est aussi un dispositif où on voit ces mâts érigés. Mais de là, quand on n'est pas sur l'échelle avec la ligne de visée, on voit juste des grands bâtons. Alors, suite à ce projet de révéler la ligne de partage des eaux, on a été appelé, pas un hasard, pour révéler le passage de l'eau dans un vallon, dans le Gard, un vallon où passait l'aqueduc romain, donc un site inscrit au monument historique.
un site assez magnifique, mais rendu incompréhensible par toutes les activités humaines qui se sont menées, et puis une association qui était très volontaire pour créer des murets comme ça, qui allaient contre complètement la topographie et qui permettaient de comprendre comment les galeries qui avaient été taillées ici, des galeries romaines, avaient accueilli cet aqueduc qui avait disparu, puisque vous imaginez bien qu'entre les deux galeries, l'aqueduc en pierre, avec le temps, depuis qu'il n'est plus exploité, les pierres sont dans les maisons d'un tel et tel autre. Donc leur envie était que ce site qui est visité hein, dans le Gard, comment on peut donner aux visiteurs la compréhension de cet espace-là. C'est un site voilà, charmant, où vous voyez en fait les anciennes carrières de Molas, qui est un espace scénique puisqu'ils organisent des concerts ici. L'espace de la forge où taillaient les ouvriers et ici le passage de l'aqueduc voilà, tel qu'il était certainement à l'époque. Donc ici, encore une fois, on n'est pas, c'est encore une manière de ne pas... là, on n'a pas taillé dans le rocher. On s'est dit, c'est la courbe de niveau qui est intéressante sur ce projet-là, puisque les Romains, en fait, sur l'aqueduc du pont du Gard, et globalement sur l'ensemble de l'aqueduc jusqu'à Nîmes, hein, puisque les eaux qui étaient acheminées là, étaient acheminées sur une pente globale sur 50 km de 12 mètres de dénivelé. Donc ça correspond à moins de 2 cm sur plusieurs mètres. Ici dans le vallon, ça correspondait à 2 cm de pente. Donc on est sur une courbe de niveau plane. Et comme on avait forcément les monuments historiques sur le dos ici, et il ne fallait pas toucher dans l'emprise de l'aqueduc romain qui était, selon les dires des uns, des archéologues, de ci, de ça, plus ou moins ici. Voilà les entrées des deux galeries. Et voilà, ici, il passait là. Bon, il suivait une courbe de niveau, c'est sûr. Donc nous, c'était de se dire, on va révéler les courbes de niveau qui ne se voient pas dans un site. On va les matérialiser de manière en négatif, à voir la ligne, le plan horizontal sur lequel cheminait l'eau. Donc on ne va pas toucher et on va le montrer en négatif. Donc dans ce vallon, on a créé un parcours voilà, avec une petite signalétique sobre pour pouvoir suivre avec des stations. Et dans le cœur du vallon qui était dévasté, parce que pour leur concert, l'association passait par le centre du vallon, avec la camionnette, et donc le vallon, il ravinait. Donc il fallait, ces courbes de niveau, elles permettaient de ne plus passer là, de dire vous allez passer ailleurs pour l'organisation des spectacles. Et ici, ces courbes de niveau, 5 courbes de niveau, qui permettront, très rapprochées, à 25 cm de haut, de montrer à la dernière côte où passait l'aqueduc. Donc c'est ce principe qu'on a représenté voilà, de manière un peu voilà, une vue de l'esprit. Avec les deux galeries, le vallon au centre, et la logique de perpendicularité. Donc là, on était sur un travail de topographie très fort avec la topologie du vallon, c'est-à-dire qu'un vallon, ben, il a une ligne de Thalweg où coulent les eaux, voilà, et elles allaient perpendiculairement au tracé de l'aqueduc. Donc ici, on a matérialisé cette rencontre-là en créant des paliers, des courbes de niveau, malheureusement je ne vous ai pas mis de photos ici. Je vous montre un autre aspect du projet qui a été de créer une table en pied des fronts de table, des fronts de taille, pardon. Donc là on voit ici le front de taille, où on est allé chercher la carrière, dans la carrière la plus proche de Verspont du Gard, des pierres correspondantes. Et là ça a été un travail de collaboratif, donc c'est aussi une utilisation de la pierre, c'est de se dire que... on ne la travaille pas non plus n'importe comment, mais de se dire qu'à cet endroit-là, on va entrer en résonance avec la paroi rocheuse qui se trouve à côté, et on va intégrer une table au pied de micocouliers qui ont poussé là, assez frêles, mais on va les contourner, et on va faire une grande table banquée de 15 mètres de long, où se retrouveront les gens sur le site, voilà, en pierre et en chêne. J'aborde un autre projet là maintenant qui est en Ardèche, donc ça s'appelle le Sentier des Lauzes. C'est, euh,
c'est un parcours artistique qui nous a appelés suite à d'autres expériences pour faire un théâtre de verdure assez simple, un endroit où ils se retrouvaient aussi pour faire des spectacles. Et donc ici, on est sur des vallées assez impressionnantes qui étaient travaillées. Hein, c'est les vallées Cévenoles qui étaient travaillées en terrasse avant et qui se sont enfrichées depuis. Et à cet endroit-là, donc on a des lignes horizontales qui sont conservées. On a beaucoup d'ouvrages en pierre, de murets, escaliers et autres. On a voulu utiliser la pierre. Donc on a fait une implantation sur la pente qui nous avait réservée, qui était une pente assez faible. Et donc on a pris quelques pierres qui étaient sur le côté en se disant, on va révéler l'affleurement rocheux, en fait, la roche qui est dessous. Et on va venir la compléter avec des pierres, comme si on épierrait aussi ce site-là. Donc on avait fait un petit prototype mal fait, parce qu'on n'est pas, muraillé pierre sèche chez Ilia. Et j'aime bien présenter ce projet parce que c'était un projet entièrement sur site. Donc on est arrivé, on a imaginé et on a travaillé avec les gens qui étaient sur place. Et on a fait aussi une maquette, on n'a pas fait de plan, on n'a pas fait de relevé de géomètre. On a dit, de toute façon, on va faire une maquette qui se rapproche en argile. On a reconstitué le relief et on s'est dit, on va le structurer de cette manière-là, avec une ligne dorsale, on va révéler la roche ici, intégrer des gradins qu'on va reconstituer en pierre. Et donc, c'est là où on a juste révélé sur le pied de ce rocher-là. Donc, on voit la découpe, là, le petit scalp qui permettait à la roche de revenir pour créer une première assise. Ellipse, les muraillés pierre sèche avec qui on aime bien travailler. Et donc, ensuite, on a fait ce projet très modeste qui vient juste rappeler le vocabulaire de la pierre ici et permettre de s'installer un peu plus confortablement, même si on est loin du confort d'un théâtre de verdure. Et puis, on s'est payé le luxe de faire une gravure sur la roche mère, donc, qu'on avait fait émerger, qui est en fait l'interprétation d'une œuvre de Cardiou, un artiste qui faisait des partitions, qui a fait des centaines de partitions. Et on a choisi d'en graver celle-là sur le rocher. J'aborderai donc le dernier projet qui, pour moi, synthétise un peu cette démarche, qui était un concours à Béziers, un concours, donc on va dire, de maîtrise d'œuvre, comme vous en avez peu vu dans mon exposé, mais on fait pas mal de maîtrise d'œuvre à côté, donc c'est un des projets sur lesquels on a participé en concours, où la demande du département était de créer un grand parc, donc les jardins de la Méditerranée, hein, non pas le jardin des Méditerranées, ici, sur ce coteau de Garrigues, à côté de la Neuf, du péage, de grands parkings déjà implantés à côté, un espace extraordinairement ingrat, où on s'est dit, on était avec des équipes incroyables qui répondaient à ce grand marché. Et donc, il fallait trouver une idée pour cet espace-là. Vous voyez bien sûr la carrière, hein, qui est de l'autre côté. Mais personne l'a regardé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on s'est dit, mais en même temps, cette carrière, il y a un axe de symétrie qui est l'autoroute. On est sur le dernier reliquat de Garrigues, là où on doit créer des jardins. Et de l'autre côté, on voit la roche qui est manifestée par la carrière et qui fait un bruit pas possible, y compris l'autoroute. Mais qu'est-ce qu'on vient faire des jardins ici? Et donc, l'idée était de se dire, finalement, sur ce territoire-là, il y a d'autres exemples de paysages magnifiques, reconnaissables, remarquables. L'étang de Montady, qu'on voit qui est en fait un étang incultivable, qui a été asséché et travaillé sur cette trame-là de manière à pouvoir le cultiver par les Romains. En contrebas de l'oppidum dans ses runes, les étangs de Vindre, les écluses de Fonsérane, impossibilité de faire passer les bateaux, on a créé des écluses, donc on a répondu à une contrainte forte par des aménagements qui sont devenus
du patrimoine vivant. On est parti de là en se disant, bon, cet espace-là, finalement la carrière qui pourrait être une nuisance, elle nous donne la piste pour se dire, ben, quand celle-ci, peut-être même les moyens d'extraction qui sont mis de ce côté-là, on va pouvoir les orienter vers un projet de création et non pas juste un projet d'exploitation des ressources. On était clairement, hein, on voit sur le profil géologique, sur une poche calcaire dans la plaine alluviale qui était de même nature. Donc on pouvait se fier à ce qu'on voyait hein, sur ce qui se passait du côté de la carrière. Donc voilà, en schéma simplifié, c'était, bon, ayons l'audace de créer, de retrouver le socle des jardins des Méditerranées en travaillant de la même manière que de l'autre côté et en se disant, un jour, ce sera l'ensemble qui sera un parc et on intègre quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout intégré et se fait de l'autre côté comme un projet d'ensemble. Et on voit effectivement des formes assez intéressantes qui se créent et on se dit qu'avec le creux, on va pouvoir aussi s'isoler du bruit de la route. Donc en fait, on va créer des espaces qui seront à la fois des jardins hauts, qui nous montreront les jardins de Garrigues, Languedocien, sur un certain vocabulaire, et les jardins bas, en profondeur, et qui recréeront un climat intéressant. On avait trouvé cette référence de Suzy Lelièvre, là, qu'on trouvait intéressante, sur une trame. Donc, en fait, on est parti ensuite sur l'idée d'une trame creusée, comme ça. Donc là, c'est une maquette en sable qu'elle avait faite à Saint-Pons-de-Thomières, justement, qui était le fief du président du département de l'Hérault. Ici aussi, j'aimais beaucoup les références d'Ishigami qui montraient voilà, comment travailler le creux, aller chercher le fond. Et au-delà aussi sur les références de, puisqu'on parlait des jardins de la Méditerranée, d'être sur un aspect légendaire et primordial en fait, des jardins de la Méditerranée, là où aujourd'hui on ne s'y attendrait pas. On ne peut pas refaire le contexte dans lequel la commande a été passée, mais en tout cas, si on devait y répondre, nous, on formulerait que ça pourrait être quand même très sympa de retrouver un travail de trame et de relief qui s'ancre dans l'histoire de la Méditerranée, y compris sur la partie ruiniforme, qui était une esthétique qu'on trouvait intéressante à manipuler ici, de partir sur donc là, les ruines d'Ampuriès en Espagne ou de Mycène ou les fouilles, là, on est en Bretagne, en bas. Voilà, de se dire, cette construction du jardin, elle va se faire de cette manière-là, dans la roche, à la fois creusée et à la fois utilisée en muré sur le dessus. Donc ça a donné ça en dessin de concours, hein, où on avait un ensemble bon, des éléments qui sont commandés, auxquels il faut répondre aussi, grands axes, une architecture ici d'accueil avec un grand parvis, ici les chambres, des chambres jardins donc creusées dans la roche et la partie des jardins sur le dessus. Donc ça nous permettait de conserver, puisqu'on avait l'ensemble de ce périmètre aménagé, de dire ben, on va pas être aberrant en fait, on va faire quelque chose qui va être... on va créer une ambiance dans un espace resserré et on va pouvoir conserver un maximum de cette garrigue à laquelle on ne veut aucun mal. Donc voilà les images de concours des jardins du haut. C'était ça. Et puis alors les jardins du bas, forcément, là on est sur une image de concours. Hein, donc on retrouve bien les caractéristiques. On reste quand même en Méditerranée. Hein, là c'est très inspiré de ce qui a pu se passer à Nantes. Mais bon, pour dire, le concours a été gagné. Alors nous n'y sommes pas puisque nous étions sous-traitants hein, sur la partie concours, mais je trouvais intéressant dans la démarche de montrer vers où peut aller l'idée d'utiliser des moyens d'extraction et des moyens aussi de il y a parfois besoin de ces moyens-là pour créer des espaces qui puissent être rentrés dans quelque chose de légendaire ici. Ben, je vous remercie pour votre attention.
Et je vous laisse. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des images à voir ou revoir sur ce qui vient d'être dit et montré? Est-ce que vous aviez vu, est-ce que vous étiez passé au domaine du Rayol c'était quelle année C'était en 2015. C'est de rester un an. Ouais. Ok. Oui, si, enfin, je ne sais pas du tout ce que je vais dire, mais parce que ça me questionne beaucoup. Je pense, enfin, peut-être que j'ai une projection, j'ai l'impression que vous marchez sur des œufs, parce que c'est une thématique qui est assez délicate. Dans quelle mesure on protège, de quel point. Quelque chose qu'on veut cacher, là, ces extractions de roches ou même les creux, etc. J'ai l'impression qu'on oser faire projet en espace naturel, c'est très délicat. Et est-ce que ça a réveillé du coup des rencontres, des discussions un peu délicates Est-ce que vous pouvez nous faire part de ces Alors oui, non mais je trouve ça très intéressant. C'est vrai que je saurais pas vraiment comment y répondre. Parce que, bon, il y a la dimension marcher sur des œufs. Il y a le fait que c'est compliqué. C'est compliqué certaines. Alors par exemple, la dimension que j'ai voulu montrer, qui est de se dire, par exemple dans les carrières, c'est grâce au Dréal hein, qui vise les projets qui permettent d'encadrer les industriels. Le paysagiste, lui, il est entre l'industriel qui est son client et l'inspection du dossier par l'Adréal. Il est un peu démuni avec ça, parce que l'Adréal, elle envoie passer des dossiers. Donc, là où on marche sur des œufs, c'est qu'on essaye d'être dans des compromis dans ces cadres-là, quoi. Après, ce qui est difficile, c'est quand on part de... Et puis, on fait avec les services de l'État, donc qui sont chargés de bonnes intentions. Et moi, je ne peux pas nier le fait que toutes ces bonnes intentions, elles finissent par se solder par des industriels qui partent toujours plus loin, sur la frontière d'à côté. Mais en fait, ça fuite, mais ça, ils fonctionnent toujours. Donc, en fait, on se retrouve aussi dans quelque chose où on n'a pas la latitude de projet. Ni les services de l'État, ni le paysagiste libéral ne vont l'avoir. L'industriel, là, dans ce cadre-là, il va continuer à l'avoir. Et on a un peu ça sur les espaces naturels, puisqu'ils sont quand même très réglementés aujourd'hui. C'est ce qui fait, et puis c'est un peu le fond de mon discours aussi, c'est que les espaces naturels, par exemple en PACA, c'est l'endroit où il y a le plus d'espaces naturels protégés, en région PACA. Et donc, le reste... qui ne l'est pas, est un déversoir à tout ce qui reste possible de faire. Donc en fait, voilà, qu'on préserve d'un côté, on crée des problématiques paysagères très fortes de l'autre, et des disparités économiques, sociales, qui ne vont pas en phase avec le discours sur le développement durable. Donc, en ce sens-là, je dirais qu'on marche sur des œufs. Oui. Mais après... J'avais une remarque sur la dimension dont tu parlais, du temps. Donc sur les autorisations, voilà, sur ces projets qui sont en fait réévalués tous les 30 ans sur des... Et aujourd'hui, ce dont j'ai l'impression, c'est que quand on fait un parc ou un jardin, on raisonne à beaucoup moins que 30 ans, malheureusement. On est dans le temps de l'aménagement et de sa gestion courte et souvent de la date d'inauguration de l'espace quand on est dans un jardin public et très pressé aussi quand on est sur un espace privé. Et moi je trouve ça intéressant de mentionner ça, de dire voilà, l'industriel il sait quasiment ce qu'il va faire année par année durant les 120 ans à venir et ça met dans le débat des temporalités qu'on n'a pas du tout. Il y a l'ONF qui parle de ça avec la dimension forestière et du coup ma question c'était est-ce que dans certains projets, là on a vu certains projets plus matériels, je veux dire, où on, par exemple la table, ou des projets où, comme je disais en introduction, on marche sur de la pierre, on s'assoit sur de la pierre, on la caresse. Est-ce qu'on arrive à prendre en compte cette usure de la pierre
Ou alors, est-ce que c'est trop long pour être... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut travailler avec l'érosion? Est-ce qu'il y a des pierres qui... est-ce qu'on arrive à mettre dans un projet une pierre qui s'use plus vite et qui, du coup, se regarde, on l'observe s'user? Ou est-ce que c'est... Alors oui, je vois bien le fond de ta question, c'est aussi le végétal, la pierre aussi. C'est-à-dire que le végétal, on va le voir grandir et mourir. Mais généralement, en tant que paysagiste, on va avoir les arbres qu'on a fait planter, on ne les verra pas forcément pousser. Mais bon, sur les pierres, en fait, on va se retrouver avec... on sait très bien qu'il y a certains types de pierres qu'on ne va pas mettre au sol et qu'on n'a pas forcément d'intérêt à voir s'éroder. Mais on le cherche, par exemple, quand on fait des joints enherbés entre certaines pierres et qu'on se dit, à terme, ça va pouvoir devenir ça, c'est-à-dire que la pierre va se désagréger un peu, va constituer du sol et on est presque dans un jardin de rocailles à certains endroits. Mais sinon, c'est vrai qu'on va quand même chercher une pierre qui est relativement marbrière et qui va permettre, que l'effort qui a été fourni à ce moment-là soit rentabilisé. Parce qu'on a fait aussi des calades, des choses comme ça, où on cherche pour faire venir la pierre du moins loin possible. Aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose. Je viens du Gard. Dans le Gard, moi, quand je veux faire une calade au sol en pierre qui va tenir dans le temps, donc un calcaire relativement dur, j'en ai pas. Ou je vais en avoir sous une forme, c'est seulement la carrière qui fait du pavé scié propre qui va le faire. Donc non seulement la commune ne va pas être forcément d'accord parce que ça correspond à une image très urbaine, parce que ça peut être une... Voilà, moi je vois, c'est le cadre d'une petite commune qui dit « Oh non, on n'est pas à Nîmes, on n'est pas à Toulon, on n'est pas... » Non, là, moi je veux quelque chose d'un peu romantique, quoi. Et donc là, on peut chercher des formules, mais les entreprises ne sont pas adaptées à ça. Les entreprises, elles n'ont pas envie, elles ont une garantie sur l'aménagement qu'elles proposent. Elles n'ont pas envie de faire avec quelque chose qui n'est pas calibré au niveau industriel, en amont. Donc ça veut dire vraiment de s'entendre. Heureusement, il y a des choses possibles dans ce cadre-là, comme dans d'autres domaines, sur les jeux pour enfants, où il y a des questions de sécurité fortes, il y a des maires qui acceptent de prendre la responsabilité de faire des jeux qui ne sont pas homologués et labellisés par le gros marché du jeu pour enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions? Je vais peut-être tenter, si j'ai bien compris tantôt, vous avez mentionné que vous aviez une expérience comme tailleur de terre. Oui. Est-ce que ça a eu un impact dans votre travail de planification à grandeur d'immensité quand même? Alors, je dirais que ça a eu une implication dans le choix des projets qui ont pu m'intéresser, comme je vous l'ai montré. Après, je ne pense pas plus qu'un autre pour se repérer dans la matière. Parce que, par exemple, voilà, d'autres paysagistes vous auraient parlé très, très bien ce soir de ce qui est de l'ordre du calpinage des pavés au sol, de la question de gestion des ruissellements, etc. Donc, et de vous parler des matières, des différentes matières elles-mêmes et des produits, en fait. Puisqu'en fait, on est sans arrêt à chercher les bons produits qui vont aller pour tel projet. Et ça, curieusement, moi, ça m'a toujours intéressé plus ou moins, pas plus que mes confrères et consoeurs paysagistes. Parce que moi, c'est vraiment la dimension de... Quand j'ai besoin de retrouver, en fait, l'aspect de taille de pierre, puisqu'avant je taillais pour les monuments historiques et puis en sculpture ensuite, je dirais que l'apport le plus fort, c'est pour comprendre la topographie, et pour bien m'immerger dans une topographie, parce que ça paraît simple quand on voit des reliefs. En même temps, intervenir et régler des points topographiques pour créer une pente qui fasse moins de 11%, et ci et ça, ben, ça demande une aisance avec la matière. Et donc là, c'est juste un déplacement d'échelle de l'objet pierre. On arrive sur, OK, on prend l'objet montagne, et là, on va s'adapter. Donc pour cette translation-là, moi, ça m'a aidé.
Donc, je voulais d'abord vous remercier parce que c'est un très très beau voyage. Merci. Et pour rebondir sur la remarque de Pierre, moi ce qui m'a fasciné tout de suite, c'est cette entrée sur un projet à l'échelle de 120 ans. Effectivement, on n'est pas habitué à cette idée que le projet puisse travailler cette longue durée. On l'a déjà vu avec justement des étudiants d'école du paysage pour refaire par exemple un trait de côte, redessiner un trait de côte 100 mètres, 800 mètres plus loin et se dire que la dune se refera sur 120 ans. Mais moi ce qui me fascine c'est, bon bien sûr vous dites que les entreprises ne suivent pas, mais en fait ce que vous montrez c'est que le chemin, enfin la direction est prise. Il faut espérer que ça ne dure pas 120 ans pour que les entreprises et que le marché s'adaptent, pour qu'on puisse passer. Mais moi, je trouve que c'est très optimiste parce qu'on a l'impression qu'on est sur le chemin, quoi. Bah alors peut-être, juste pour rebondir, il y a une thématique qui est grandissante aujourd'hui dans les prérogatives qu'on a, les paysagistes aussi, c'est l'artificialisation des sols. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, c'est de me dire, mais c'est quand même malheureux, sachant que les lobbies industriels qui exploitent les granulats, leur communication est faite sur le fait que l'exploitation de granulats répond à la demande de logement, de la construction. Et donc que tous ces pavillons qu'on crée en plaine sur des terres arables, agricoles, moi, je me dis, mais faisons-les dans les carrières et faisons des carrières moins longues. Quand on fait une route, voilà, ça fonctionne, c'est compris. On prend les engins, on déroule la route et les matériaux, ils ont déjà été réfléchis dans leur cheminement. Ils ont une filière, tous. Là, sur ces projets-là, on ne pense pas à la filière. Les stériles, ils restent bloqués avec. Alors que la carrière que je montrais, je ne l'ai pas exposée ici, mais dans le projet, leur stérile pour faire le ciment blanc, c'est du silex et de l'argile. Donc en fait, il y a possibilité, s'il y a les personnes, les ingénieurs aussi qui peuvent y réfléchir, à recomposer des sols argilo-siliceux avec ce matériau-là. Et à la place de ça, on en fait des tas. Donc c'est des changements de comportement qui peuvent arriver sur une génération. Et donc ils peuvent arriver, et d'autant plus que bon, on voit une accélération quand même des prises de conscience en ce moment, qui font que oui, ça. Sauf que bon, c'est un peu une prise de conscience tous azimuts où on se retrouve à nous-mêmes à des terrains enherbés sont de l'ordre de l'artificiel et il faut le compenser. Donc il y a encore des schémas. Pour moi, rien n'est fait sur le fait que le paradigme est toujours le même, c'est éviter, réduire, compenser. Et éviter, réduire, compenser. Tant qu'on sera dans cette logique-là, on va droit dans le mur. C'est une logique qui a été adaptée pour justement des industriels tout puissants. Donc après, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'industrie du tout, hein, mais... D'ailleurs, c'est cette ambiguïté là où je marche sur des œufs aussi, c'est que je reconnais qu'il y a une forme de fascination à la base pour certains gros engins, pour des échelles de projets, etc. Et en même temps, l'idée qu'il faut arriver à faire localement et que les territoires ont besoin de trouver leurs ressources localement. Et que ça, dès qu'on passe une certaine échelle, on perd les moyens de production et de soins du territoire, de ménager notre territoire. On ne le ménage plus. Là, on est dans la disjonction. Production d'un côté, satisfaction de l'autre. Je me demandais, à l'atelier ILIA, quel était... parce que du coup, c'est pas mal... On a l'impression qu'il y a un éparpillement géographique et géologique, et en fait c'est assez logique de voir tous les projets où on reconnaît, en fait à la moindre photo, du coup on reconnaît où est-ce qu'il se passe avec cet élément-là, que ce soit sur la peinture rupestre du 21e siècle ou sur le rayon. C'est quoi votre aire, enfin je sais pas en rapport avec la pierre, mais c'est quoi votre aire géographique d'intervention? C'est où le plus loin où vous répondez? Vous seriez loin à aller s'il y avait des projets du Liban, mais je crois que c'était des projets d'avant. Enfin, jusqu'où l'exercice il est faisable quand on voit que vous avez une forte présence de terrain aussi
Bah, alors là, moi, je dirais qu'on est, de plus en plus dans la volonté d'un ancrage local. On l'a toujours été, c'est-à-dire que répondre sur des projets qui sont trop loin, on le faisait quasiment pas. Et que là, on s'est vraiment recentré toujours plus vers les besoins locaux, justement, faire des choses avec les communes et les inciter à faire et faire avec des moyens minimum, bah, aller vers la sobriété aussi. Là, dernièrement, en fait, c'est les projets au Liban, il y en a eu quelques-uns, on y allait plusieurs fois, dans des contextes qui étaient de crise au Liban. On se dit, mais pourquoi on va réaménager des carrières au Liban? C'est pas le sujet. Mais, et donc, quand ils n'ont plus pu travailler au Liban, ce qu'on trouvait, puisque c'était des partenaires au CNRS au Liban, ils ont dit, mais ça va, c'est bon, on va en Turquie maintenant, il y a des carrières de marbre à réhabiliter. Et là, moi, j'ai dit non pour les carrières de marbre en Turquie. J'ai dit, ce sera sans nous. C'était il y a 2 ans. Donc c'est d'aller moins vers ça, en fait, la course à emmagasiner des projets, bon, qui vont faire des références aussi, et aller vers voilà, des projets plus sobres. Aussi en termes de distance. Mais après, bon, si on me titille sur un projet de pierre, où que ce soit dans le monde, je pourrais pas... Comment tu expliques que... Quand on voit la pierre de cet acabit-là, un peu travaillée, pourquoi on va la chercher au Portugal ou en Chine? Est-ce que c'est parce que j'imagine que la matière on l'a? Est-ce que c'est simplement une logique économique ou de demande? Puisqu'en fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup le béton sur le revêtement de sol, etc. Effectivement, je comprends la galère pour trouver de la pierre de calade, parce que ça se fait moins, parce que ça fait plus cher en main-d'œuvre, etc. Est-ce que la demande de la public, en tout cas au public, ou de nous, maîtres d'œuvre, pour ce genre de cette appétence, est-ce que le carrier, lui, aujourd'hui, il fait que du béton, quoi, du granulat pour du béton. Parce que, ouais. Est-ce que je me demande, est-ce que si la demande va crescendo? Et quand on parle de désimperméabilisation des sols, on sait que la pierre avec des joints creux, bah, ça passe dans le sol, ça va bien, c'est bien mieux qu'un béton ou qu'un bitume. Est-ce que cette demande pour refaire évoluer l'industrie de la pierre en France, ou est-ce que c'est un peu tard? Alors, moi je trouve ça super comme questionnement, parce qu'en fait c'est déjà au niveau de l'histoire des carrières, bon, bah, c'est un peu comme tout, et puis dans tous les secteurs industriels, hein, c'est-à-dire que même, y compris agricole, c'est qu'on est allé vers des gros groupes qui détiennent ça. Même moi, au monument historique, c'était un groupe Vinci, hein, qui restaurait l'ensemble du Vieux Lyon. Hein, donc c'était plus les petits tailleurs de pierre de l'époque. Pareil pour les carrières. Moi, j'avais analysé à l'époque le nombre de carrières, puisqu'on le voit, hein, quand on se balade où que ce soit sur le territoire national, le nombre de carrières anciennes qu'il y a pu y avoir. Donc l'échelle a évolué. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est beaucoup plus difficile, c'est un défi qui est quasiment intenable, de réaménager des carrières actuelles, alors que la plupart des anciennes carrières qui avaient des fronts de 5 mètres de haut, c'est des havres, c'est des jardins en soi. La végétalisation a repris ou a été accompagnée, mais en fait ces espaces-là étaient réversibles. Là, on fait de l'irréversible puisqu'on ne pense pas à ce qu'on va laisser derrière, malgré la surveillance qu'il peut y avoir au moment des autorisations qui sont données. Donc là, je pense qu'il y a un nœud, quelque chose à trouver, c'est-à-dire que, bien sûr, si la demande elle est suffisamment forte, il va y avoir une adaptation. Il y a aussi, moi, je vois de plus en plus d'industriels, Lafarge, par exemple, qui cherchaient à me contacter pour des ouvertures de carrière dans un contexte où c'était loin d'être à propos. Et je leur disais non, et ils insistaient en disant « mais on a changé notre politique, je vous assure, maintenant, il faut commencer par le paysage ». Mais ils avaient déjà le foncier. Ils sont déjà propriétaires du foncier depuis 50 ans. Du foncier qu'ils laissent... qui laisse à des agriculteurs en place, etc., mais ils l'ont déjà. Donc déjà, cette logique foncière, elle est foutue.
Donc après, sur les projets, je dirais, il y a aussi une question sur les réglementations. Je pense qu'il y a aussi à alerter sur le fait que les réglementations créées ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elles pourraient... il y a un petit exploitant qui voudrait exploiter un bout de caillou à tel endroit qui pourrait fournir sur des chantiers locaux, bah, c'est la croix et la bannière, il ne pourra pas. Il ne pourra pas le faire. Les demandes, bah, la légalité de son activité ne sera pas reconnue. Voilà. Donc on est, c'est, en résumé, c'est vraiment, tant qu'on est sur des grosses machines et qu'on ne s'autorise pas à dire « non mais les petites machines peuvent fonctionner », la petite machine, elle va rien pouvoir faire. Mais sinon, ce sera possible, oui. Sachant que sur ce que tu disais sur les pavages, aujourd'hui, il y a aussi, par exemple, il y a le même rapport entre entreprises et associations. Au niveau professionnel, le fait que de la pierre sèche ou de la calade à pierre sèche ne va pas coûter plus cher en termes de main-d'œuvre qu'une grosse entreprise d'espace vert qui va venir... ça va pas coûter plus cher. Mais là, par exemple, moi, sur ma calade, là où je suis bloqué, c'est sur la pierre qui n'est pas présente, la nature de... les carrières disponibles. Il n'y a pas les carrières disponibles puisque la plupart ne sont pas réouvertes. Voilà. Comment vous êtes passé du métier de tailleur de pierre à paysagiste ? Eh bien, alors... La belle histoire ou la... il y avait... Moi, c'était le fait que... Bon, moi, j'avais fait de la philo avant, des études de philo. Donc, je suis parti en taille de pierre après. Et j'étais dans un milieu au quotidien qui était pas toujours... qui m'épanouissait pas toujours. Et du coup, d'imaginer que mon futur serait de travailler comme ça pour... pour ces gros groupes-là, pour pouvoir faire du travail de qualité, m'intéressait moyennement. Et il y avait la dimension sculpture, c'est-à-dire que quand on est tailleur de pierre, c'est super de tailler la pierre, là, vraiment. Mais il y a aussi un aspect qui est qui peut être rébarbatif. Donc, et moi, il y avait une dimension sculpture qui m'intéressait plus. Donc après, je suis passé par la sculpture. Et c'est vrai qu'au début, un peu naïvement, je me suis dit, le paysage, finalement, c'est une sculpture à grande échelle. Et après, j'ai heureusement découvert aussi toutes les nuances dans le paysage qui font considérer les aspects sociologiques, le fait que les espaces habités, et donc que ce n'est pas que de la forme. Donc après, c'est de trouver l'association entre le travail formel de la matière, et c'est vraiment ça que je cherche aujourd'hui. C'est que le travail formel ne soit pas d'une gratuité et du luxe, puisque je montrais les aménagements urbains, la pierre, aujourd'hui, c'est du luxe de se payer. Donc c'est marqué tout de suite, on sait qu'on est dans ces aménagements de ce type-là. Alors que si on va dans le bois, on aura des possibilités de faire des aménagements plus frugaux. Moi, je pense qu'en pierre, on pourrait largement faire des choses très durables, qui demande en fait avec la force. Les blocs ici, ils faisaient 200 kg, 250 kg, et on les avait roulés. On les a fait rouler sur des roules en bois pour ne pas utiliser de machine à cet endroit-là. On était 4 ou 5. Merci beaucoup. On va continuer les questions et les débats sur une forme moins formelle, autour d'un petit apéritif. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Ben voilà, pour ce voyage, comme tu disais, Odile, de ce voyage de projet. Et on a hâte que tu reviennes pour nous montrer les nouveaux projets, comment ceux-là ont vieilli. Voilà, merci beaucoup. Des photos. Merci. On va ouvrir la porte ici. L'exposition reste accessible le temps de la qualité du premier étage. Si vous voulez aller voir justement
des extraits de différentes carrières locales. On verra ce que signifie local quand on parle de d'approvisionnement pierre. Ça rentre en écho avec ça. Là, il y en a une en bas, mais il y en a neuf en haut, de neuf variétés. Et voilà, on reste là. Merci d'être venu. Bah, c'était un plaisir. Le tournoi de Pierre, ça m'a beaucoup intéressé.